Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bref, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un quartier de gitans. Je n'ai rien contre les gitans, je connais beaucoup de gitans. Mais je vais faire semblant de tomber en panne dans un quartier de gitans. Voilà, tout simplement. Donc là, on a des faux billets de banque. Voilà, ici, il n'y a rien dedans, hein, voilà. On peut croire qu'il y a de l'argent dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans un camp de gitans. Je vais faire semblant de tomber en panne dans un camp de gitans. Et je vais leur faire croire que j'ai volé le camion de Brinks. Et que du coup, je tombe en panne ici et qu'il faut qu'ils m'aident. Voilà, j'ai besoin de leur aide. Je vais mettre une GoPro dans le camion. Et le caméraman va se cacher en hauteur hors du camp pour essayer d'avoir l'ensemble de ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui est assez dangereuse, hein, ne reproduisez pas ça. Bon, de toute façon, pas tout le monde a une brique chez soi, donc en même temps, c'est compliqué. Mais voilà, moi, je prends beaucoup de risques. On va aller dans le quartier. Je vais leur faire croire que je tombe en panne. Je vais leur faire croire que j'ai volé le Brinks et on va voir leur réaction. Est-ce qu'ils vont m'aider? Est-ce qu'ils vont pas m'aider? Est-ce qu'ils vont s'énerver? La suite est dans cette vidéo. Bon visionnage à tous et à de suite. C'est parti, les gars. Je suis dans le camion de Brinks. J'arrive dans le quartier là. Personne n'en tombe en panne là. On arrive. Oh mon dieu. Je vais faire ça maintenant en panne. C'est parti. Putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Qu'est-ce que tu as? Tu as convulsion? Chez vous là? Tu as la maison là? Les gars, il m'est arrivé une histoire de fou. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça là? Tu travailles avec ça toi? C'est à toi ça? C'est quoi ton histoire là? Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, explique. Attendez, je... Attends, je vais vous expliquer. Laissez-moi expliquer. Tu es chez moi là. Vous habitez là pour demain? Ouais, tu es chez moi là. Il y a des caravanes, des voitures partout. Explique là, il y a pas de gens. En fait, je vous explique. Tout à l'heure, j'ai vu un camion de Brinks, je me suis arrêté. Les mecs, ils sont partis. Ils ont laissé le camion ouvert sans faire esprit. J'ai pris le camion. Je suis parti avec. Je suis parti avec le camion. Attends. Il y a des sous. Là, il n'y a plus d'essence. Attends, les frères. Attends. Je tombe en panne. Je viens de tomber en panne. Je savais pas où aller. Les flics qui me suivaient. Tu comprends bien que tu es chez moi là. Là, tu es chez moi. Oui, je sais. Là, le Brinks, il est chez moi. Tu viens de me dire que tu as volé un Brinks. Ouais. On peut pas te laisser comme ça. Tu es chez nous là. Comment ça? On fait moitié moitié toi là. Non, mais dans la merde, comme toi, je comprends pas tout, frérot. Je donne quelque chose, mais je donne pas la moitié. Les gars, t'as la moitié de ça. Non, tu te fais pas comme ça, frérot. Non. Bon, vas-y, vas-y. Vas-y, bref. Prends la moitié, on te laisse la moitié. Laisse-y quand même deux sacs. Tu payes, frérot. Attends. Oh, les gars, on parle un million d'euros. Oh, je te parle. Oh, lève ta main. Et alors, million d'euros. Oh, tu es chez nous, tu as pas compris, toi, encore, là. Là, on te laisse rien ici. Tu veux repartir sans rien ou quoi? Quel là, mon maman, j'ai t'attaquer là, j'ai un cadeau. Donc sois content. C'est bon, donne-y 200. Donne-y 200, comment ça va aller? Comment ça s'occupe de Didier? Non, c'est 200. Ouais, ça va, tiens, il y a au moins 300 000 pieds sur la tête. 300 000, frérot, il y a au moins 20 millions dedans.
Ah, mais ça, c'est pas mon problème, ça. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait 20 millions dedans. Tu vois. Donc, bref, on t'a voilà, je vois comme ça, je sais pas, là, on va compter. Bah, écoute, si tu veux repasser, tu sais où on habite. Non, moi, je peux pas laisser comme ça. Moi, je te le dis. Tu vas prendre deux sacs et barre-toi. Tu es chez nous, là. Tu vas faire quoi? Je laisse le brin ici. Il est encore heureux que le brin, ça va s'en aller, mais le brin, ça y est, t'inquiète pas, va. Mais, on est sur le sort. Non, je parle devant le voyou, c'est bon, les gars. Je pars pas sans les sacs. Quel est devant le voyou, c'est bon. Mon ami, si tu veux pas te recevoir un coup de couteau, hein, vous voulez rester tes sacs taille, gros. Tes deux sacs et taille, toi. Je me taille comment? Tu fais avec deux sacs dans les mains. Ouais, tu les mets dans tes couilles, tu fais ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Comme un vaillant, gros. Deux sacs ou j'attaque. Et six mois maintenant, je vous balance. Je vous balance. Je vais revenir, peut-être. Vas-y. Peut-être, le sac, les tiens. Prends ton deuxième sac, on est bon là. C'est bon, y'a plus rien. C'est bon. On s'est démarre. Vas-y. Je pars pas d'ici. Pourquoi? Non. Il faut une troisième sac. Oh les gars, moi les gars, je suis venu ici, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi, j'ai pris le camion, c'est moi, j'ai pris les risques. Ah mais poto, je crois que tu n'as pas compris. Nous, on était posés, nous. On était en train de boire, nous, on t'a rien demandé, on t'a jamais dit de venir ici. Tu viens ici avec un Brinks. On va te laisser repartir avec un Brinks. Tu comme ça, je suis ici avec tout ça, frère, normal. Donne-moi une troisième sac. Il me faut de l'eau. Un troisième sac. Ah, donne-moi un troisième sac, s'il te plaît. Et je me cache, tu lui donnerai, vas-y, donne-le. Oh frérot, tu es sérieux? J'ai même pas un million là. Ah, j'ai même pas un million là, mon pote. Qu'est-ce qu'il fait? Vérifie quoi? Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez les sacs? Oui. Je suis pas bien là. Oulala, je suis pas bien. Bah, faut que je me casse vite. Ouvre le paquet. C'est quoi? Oh les gars, regardez tout, regarde si c'est des vrais billets là-bas aussi, parce que je vois des billets apparemment. Partez. En plus, quand je dis ouais, y'a pas de rien. Ben, tu comptes des salades, imprimé. Même toi, tu le vois pas? De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer le camion, je vais vous laisser tranquille. Je fous de vos têtes, y'a pas de problème. Mais y'a pas de problème, y'a pas, tu fous, tu prends une vidéo, tu fous. C'est quoi, je pas, on va dire ta mère.